Malagasso, dans ce quartier de Bondoukou, les populations n'ont pas boudé le premier rendez-vous de la CAN. Pour la circonstance, un espace a été aménagé avec un écran géant sous l'initiative de Souleymane Gbané. Vous savez que la Côte d'Ivoire organise la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une grande fête, c'est une ferveur pour toute la Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons voulu que la population de Bondoukou vive cette même ambiance. Et c'est pourquoi nous avons décidé de créer ce village CAN pour faire participer nos populations à cette grande manifestation. Dans les populations présentes qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt la première rencontre dans une ambiance festive, saluent cette action qui occasionne la fraternité. Vraiment, nous sommes très très heureux. Depuis 19h, nous sommes ici. On salue le parrain de cette grande cérémonie. Nous sommes venus nous offrir de l'eau à boire, de sucreries, des tricots, des bouts d'oreilles. Même moi, j'ai gagné un bout d'oreille orange, blanc, vert. C'est sur le score de 2-0 en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire que les populations de Malagasso ont regagné leur domicile.